passer cette pression. Quand on peut pas s'accoler, la famille, tout n'a qu'à nous faire. Je n'ai pas une capacité en moi. Moi je m'écaille, comment je pourrais convaincre ça? Je n'ai pas vu beaucoup. Je vais tourner et gérer ces gens. Soyez sûr qu'ils soient malades ici. Au lieu d'en approcher, ils obtiennent sa guérison. C'est le nom de Jésus. Afin que sa parole vienne trouver place dans toi. Nous prions. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je vais rendre gloire à toi parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Père, ce matin, viens parler à ton peuple. Que Saint-Esprit soit le seul véhicule de message de cette matinée. Papa, que tout celui qui écoute ta parole, qu'il soit fécondé comme une semence régénérée dans la gloire du Père. Mon Dieu, éloigne-nous tout ce qui n'est pas en accord avec toi, tout ce qui n'est pas de ta volonté, tout ce qui est planté l'ennemi. Père, éloigne-nous de cela. Saint-Esprit, c'est le temps que tu prennes en charge toutes choses. Saint-Esprit, c'est le temps de ton œuvre pour la gloire du nom du Père. Je rendis gloire et grâce à toi et super. Dans le nom miracle de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu peux prendre ta Bible. La Bible à Daïus. Nous allons lire le même passage. De Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. De verset 27 au verset 30. Verset 27 qui nous attend. Alors que Pasteur Jonas va nous retrouver le livre. De 1 Pierre 4. Mon père de Jonas a besoin de connaître 1 Pierre chapitre 4. Verset 18. Verset 18. Première lecture. J'ai dit Genèse chapitre 1. Je dis Genèse chapitre 1. De verset 27 à 30. Verset 27 jusqu'à la 30. Que Dieu te bénisse ce matin. Et que surtout sa paix demeure dans ta vie. J'attends quelqu'un qui dit encore Amen. J'attends que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis Dieu pour cette matinée tant spéciale. Nous avons suivi un programme d'enseignement très important ici. Dans le thème est assujettir du ciel la peur. J'insiste parce que c'est un thème très important. Si nous sommes sur cette terre, c'est parce qu'on doit assujettir. Si on doit vivre, ça signifie qu'on doit assujettir. Si on n'assujettit pas, la raison de notre existence est nulle. Alléluia. Amen. Il nous a été dit que assujettir signifie dominer. Assujettir signifie soumettre. Vivre sous l'autorité de.
était assujettissé la terre. Ça veut dire toute notre vie. Nous avons à assujettir. Nous avons à dominer sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai rappelé pendant la semaine. Pourquoi doit-on assujettir? Ça veut dire que cet enseignement a des raisons d'être. La première raison, c'est dans la lecture qu'on vient de nous faire ici, qui est en train de dire simplement, Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Amen. Ça veut dire, l'image de Dieu est parfaite. Et il a créé l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il est créé à l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Dieu, après avoir créé, la Bible dit, il le bénit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu lis bien la Bible, tu dis que le premier verbe que tu as projeté, après sa foi, crié l'homme, il bénit. Alléluia. Amen. Donc la bénédiction, c'est le premier mot que tu as prononcé. Lorsque l'homme a existé, la Bible dit, il cria et il bénit. Alléluia. Amen. Après avoir béni, il leur dit, soyez féconds. Alléluia. Amen. Soyez féconds. Alléluia. Il dit, soyez féconds. Soyez féconds. Ça veut dire, la fécondité fait partie des exigences de Dieu. Martin, que je connais Dieu, lorsqu'il disait à l'homme, soyez fécond. Il savait, lorsqu'il a créé l'homme, et que dans l'homme, il avait placé déjà la fécondité. C'est pour cela qu'il dit, soyez fécond. Dieu, tel que je le connais, il n'a jamais dit ce qu'il ne peut pas faire. Chez Dieu, il n'a jamais été impossible. Lorsqu'il a créé l'homme, il lui dit, soyez fécond. Ça veut dire, déjà dans l'homme, Dieu avait placé les cellules de la fécondité. Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas féconde, ou si vous voulez une personne qui ne prospère pas, quelque part n'est pas dans la volonté de Dieu. Non, ça ne marche pas dans ta vie. Sache que ça ne fait pas plaisir à Dieu. Dieu a dit, soyez féconds. Ça veut dire que de tout ce que toi tu fais, on doit sentir la prospérité. Dans tes activités, on doit sentir que ça marche. Dans tout ce que toi tu fais, tu dois sentir qu'il y a une progression positive. Il dit, soyez féconds. Et il ajoute en disant, multipliez-vous. Il dit, remplissez la terre. Lorsqu'on dit remplissez la terre, ce n'est pas toujours avoir des enfants partout. Non, remplissez la terre, c'est aussi avoir des immeubles partout. Avoir des concessions partout. Avoir des enfants aussi. Avoir des biens sur cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je te conseille, ne meurs pas avant d'assujettir cette terre. La Bible continue en disant, remplissez la terre et l'assujettissez. Alléluia. Amen. Après avoir parlé de l'assujettissez, il nous parle, dominer sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la nature. Alléluia. Amen. C'est de là où est venu le terme assujettissez. Et il nous a été dit assujettir, et de soumettre
Lorsque tu fais signature de la terre, tu dois rendre la terre comme étant ton esclave. L'esclave, on paye un prix pour avoir un esclave. Si tu veux rendre la terre comme étant ton esclave, nous avons dit qu'il faut payer un prix. Alléluia. Amen. Donc la première raison qui fait que nous puissions enseigner ça, qui fait que nous puissions assujettir cette terre, c'est parce que c'est obéir à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions assujettir cette terre. La volonté de Dieu est que nous puissions dominer sur la parcelle où nous vivons. Que nous puissions dominer sur la portion qui nous est accordée. Et que nous puissions assister sur cette terre. D'ailleurs, quand on assiste, on obéit à la volonté de Dieu. Donc la première raison de cette prédication, c'est d'obéir à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que toi tu puisses dominer. La volonté de Dieu est que lorsqu'on cite des grandes personnes, qu'on cite aussi toi. La volonté de Dieu, lorsqu'on veut choisir des dirigeants, qu'on te choisisse, c'est toi. La volonté de Dieu est que lorsqu'on veut parler de la dette, qu'on parle de toi. C'est pour cette raison. La Bible dit que vous serez la tête et non la queue. Lorsque ça dit ça, ça veut dire vous dominerez, mais on ne vous dominera jamais. Alléluia. Amen. Et deuxième raison, nous l'avons cité ici. C'est de quelle raison? Si tu n'assujettis pas, tu seras assujetti. Alléluia. Amen. Si toi tu n'arrives pas à dominer, on te dominera. Alléluia. Amen. Ça veut dire, même jusqu'aujourd'hui, tant que tu n'as jamais dominé, tu es toujours dominé. Tant que tu n'as jamais dirigé, tu es toujours dirigé. Si toi tu ne t'occupes pas de la terre, la terre s'occupera de toi. Si la terre s'occupe de toi, tu vas subir cette terre. Cette terre est très mauvaise. Elle veut dire que la terre est trop méchante. Alléluia. Amen. Et maintenant, c'est pour cette raison que nous nous devons assujettir pour la gloire de Dieu. On peut dire bien amen. Amen. On peut bien dire amen. Amen. Ça veut dire que si toi tu n'assujettis pas, la terre va t'assujettir. Or, lorsque la terre t'assujettit, tu es plus que malheureux. Lorsque la terre est en train de t'assujettir, tu es pauvre, tu ne peux rien faire. Tu subis les événements de cette terre. Lorsque la terre décide de faire tomber une pluie, toi tu manqueras où dormir. Je demande à Dieu de nous épargner de certaines conditions. Que tu ne vives pas dans une maison quand il pleut, tu commences à prier. Ça doit s'arrêter cette histoire. C'est lui qui a séjourné la terre. C'est celui quand il plaît. Il ne sait pas qu'il plaît. Il se lève le matin. Il dit que ah, où les bêtises. C'est parce que il est en train d'assujettir la terre. Alléluia. Amen. Si tu me voyais revenir, parce que si tu n'as rien compris, c'est cette prédication, tu seras pauvre. Tu resteras avec beaucoup de promesses. Tu ne verras jamais se concrétiser. Tu verras beaucoup de montagnes, beaucoup de cérémonies avec Dieu, beaucoup d'actions de grâce et dignes. Rien ne changera dans ta vie. Lorsque tu as cette connaissance, tu as déjà une force.
Vous êtes déjà dans ma case. Et tu as une possibilité de vivre le plan de Dieu se concrétise. Parce que le plan de Dieu, de que toi tu domines. Parce que tu peux dire je dois dominer. Non, tu ne dis pas bien. Courage beaucoup. J'entends quelqu'un dire que je dois dominer. Je dois dominer. Je dois dominer. Alléluia. Donnez-moi la main des dominateurs. Alléluia. Amen. C'est lui qui domine. C'est celui qui prend les défauts. Tant que tu n'as pas dominé, tu n'as pas encore accompli le plan de Dieu. C'est alors que la Bible dit, nous devons dominer. Et que l'homme doit assujettir. Tu dois assujettir. Au nom de. Au nom de. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième question qu'on vient de nous dire, si tu n'assujettis pas, tu seras assujetti. Et qui veut être assujetti parmi nous? Personne. Or, lorsque nous devons assujettir la terre, nous avons dit nous devons rendre cette terre comme étant une redevance. La terre doit demeurer aussi longtemps que tu en vis. La terre doit toujours être comme une détentrice. Dédicréance à toi. La terre doit être débitrice à toi. Lorsque toi tu passes, la terre doit se dire que j'ai la tête à ces messieurs. La terre doit se dire que j'ai droit à cette femme. J'ai droit à cet homme. Partout toi tu passes. La terre doit dire ça. Pour que tu puisses assujettir la terre. Je dis, il faut que toi tu enterres la terre. Et il ne faut pas que la terre t'enterre. Si cette terre t'enterre, c'est fini, tu es plus que malheureux. On ne parlera pas de toi. Il y a beaucoup de filles qui ont été enterrées par cette terre. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été enterrés par cette terre. Ce sont les gens de femmes, quand tu passes, on ne te voit pas. Quand tu fais proche, on ne sait pas que tu es là. Lorsqu'on distribue les invitations de mariage, toi, on ne te donne pas. Lorsqu'on compte les gens pour un événement, toi, on ne parle pas de toi. Lorsque tu constates cela, retenez-le aujourd'hui que la terre est en train d'être enterrée. La parole qui se livre encore ce matin, c'est la même parole qui était sortie lorsque Lazare était enterré. Quand il est arrivé, il a fait crier que Lazare sorte. Aujourd'hui, ceux qui sont enterrés, qu'ils ressuscitent au nom de Jésus. Je dis qu'ils ressuscitent au nom de Jésus. La terre ne peut pas t'enterrer. Toi, tu dois enterrer cette terre. Alléluia. Amen. Il y a une chose que vous devez savoir. Je l'ai dit, mais j'en reviens. C'est tout pour profit des amis qui vont nous suivre sur le média. C'est pour cette raison que j'arrive expressément. Cette terre, tout ce que vous voyez, c'est cette terre. C'est la terre qui en a produit. Il n'y a rien qui se met sur cette nature si la terre ne l'a pas produit. Dieu était capable de prendre les cieux, mettre ça dessous de nous, prendre la terre, mettre ça dessus de nous. Dieu tellement il est intelligent, il a pris tout. Il a mis dans la terre et il a pris la terre. Il a mis en dessous de nous. Et il t'a pris toi hors. Il t'a placé sur la terre. Si cette terre, toi tu marches, mets dans cette terre, il y a tout. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a le diamant, il y a le pétrole, il y a le cuivre, le manganèse, l'étain, toutes les pierres précieuses du monde. Ils sont tributaires de la terre. C'est la terre qui en produit. Ça veut dire que chaque jour, nous les chrétiens, nous devons savoir. Lorsque je marche, je marche sur l'or. Lorsque moi je marche sur les diamants. Lorsque moi je marche sur le pétrole. Lorsque je marche sur l'argent. Je vais te dire une chose. Voyez le billet comme dollar. Qu'est-ce qui a produit le dollar?
peux mettre le montre. Qu'est-ce qui a produit les dollars? C'est la terre. La terre a produit un arbre. Et on a pris l'arbre. On a pu extraire ça. Et on a travaillé ça. Ils ont donné des papiers créés de là-bas. Alléluia. Ça veut dire que chaque jour, quand tu marches, tu marches sur les ronds, tu marches sur l'or, tu marches sur les livres sacrés, tu marches sur les dollars. Maintenant, si tu comprends cela, les dollars doivent devenir tes esclaves. Parce que nous cherchons à monter. Non, tout ce que nous cherchons, c'est si cette terre. Et Dieu nous a dit, la sujeture cette terre. Lorsque tu as sujeture, la terre doit se sentir redevable à toi. Il n'y a pas un coin où tu peux passer où la terre ne te rencontrera pas. Lorsque tu as sujeture la terre, ça veut dire que même si tu es en Allemagne, il y a une terre en Allemagne. Même si tu es au Brésil, il y a une terre au Brésil. Même si tu es en Espagne, il y a une terre en Espagne. C'est ça toi. Mais c'est sur le temps où vous devez marcher. Et vous devez dominer sur cela. Et celui qui domine me dit amen. Et celui qui domine acclame encore me dit amen. Alléluia. Amen. Or, pour rendre cette terre comme étant notre esclave, il y a une théorie simple que nous appliquons. Tu ouvres la terre, tu prends une semence, tu le places dans cette terre et la semence produit. Alléluia. La semence fait quoi? Ça produit. Tu n'as plus des exigences à donner à la terre ni à la semence. Parce que toi tu as placé. Et tu partes. Et tu attends. La terre doit faire quoi? Elle doit produire. C'est pour cela que j'ai parlé. À exiger la terre, c'est donner une semence à la terre. Quand tu donnes une semence à la terre, la terre a l'obligation. De produire. La terre a l'obligation de produire. Et lorsque la terre te produit, personne ne peut l'arrêter. Si nous sommes dans Genèse chapitre 1, jusqu'au verset 12, Genèse chapitre 1, verset 12, que dit la Bible? La terre produit de la verdure. Selon son espèce. Alléluia. Amen. Selon son espèce. Il y a des semences pour la saison sèche. Il y a des semences pour la saison de pluie. Et la terre produit ses semences selon les espèces et selon les temps. Ça veut dire il y a des bénédictions appropriées pour nous à chaque circonstance, pour nous qui servons Christ, pour nous qui sommes les semences régénérées. Nous croyons que pour nous il n'y a pas la fin du monde. Si le monde est décider de bénir les gens de la fin du mois. Dieu qui donne la semence au semer, il le donne à chaque saison et à chaque espèce. C'est pour cette raison, quand Jésus est arrivé devant le figuier, il a exigé que le figuier porte des fruits alors que ce n'était pas la saison. Parce que c'était lui la semence qui donne de la semence. L'arbre devait produire le fruit même au moment qui n'était pas question. C'est lui qui a assujetti la terre. Même si le monde crie, il y a crise économique, ça ne nous concerne pas. Même si on dit que Congo c'est un pays pauvre,
Moi, je ne suis pas pauvre. Je ne serai jamais pauvre. Que celui qui comprend me dise encore amen. Que celui qui comprend acclame encore pour la gloire de Dieu. La terre produit de la verdure. Et l'herbe portant de la semence selon son espèce. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des semences pour la saison de pluie. Il y a des semences pour la saison sèche. Il y a des bénédictions quand tu n'es pas encore marié. Il y a des bénédictions pendant que tu es encore dans le mariage. Il y a des bénédictions même si tu n'as pas encore des enfants. Il y a des bénédictions même quand tu as des enfants. La bénédiction du Seigneur n'a pas de période. La bénédiction du Seigneur n'a pas de temps. À tout moment, c'est la fin du mois chez notre Dieu. Dieu peut me bénir lundi, il peut me bénir mardi, il peut me bénir mercredi, jeudi, vendredi, à tout moment. Il dit cette terre est en train de le produire sans que l'homme puisse fournir aucun effort. Ce sont des lois des exigences de la terre. Où les gens ne passent pas. Donnez seulement une semaine. Vous verrez l'herbe verte va sortir. Sans que toi tu puisses fournir les efforts. Ça veut dire, tu dois sujeter cette terre pour bénéficier le merveille de cette terre. Tu peux continuer. Et les arbres donnant des fruits et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Pendant que la Bible insiste, leur semence selon leur espèce. Alléluia. J'ai parlé dernièrement à l'église. Et Dieu, il a tant aimé le monde. Est-ce qu'on parlait du monde? On voit la terre. Alléluia. Dieu, il a tant aimé la terre. Il a fait quoi? Il a donné son fils unique. C'est-à-dire qu'il a pris son fils. Il a fait une semence. Il lui a sémé. C'est ce que nous avons vu. Christ qui était Dieu, on lui avait sémé. Mais avant qu'il soit sémé, il fallait qu'il aille s'incliner chez Jean-Baptiste. Pour qu'on le baptise. Il a plongé dans l'eau. Après plonger dans la terre. Il a régné sur cette terre. Et après, il mourra. Parce que c'est une semence. La semence doit mourir. Mais en réalité, une semence ne meurt jamais. Une semence ne fait que régénérer. Lorsque on lui a enterré, 3 jours après, il est sorti. Et lorsqu'il est sorti, il a pris l'ascension. Il a pris une taille qu'on ne peut jamais laisser. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, sache que tu as déjà été une semence. Alléluia. Amen. Parce que nous avons dit dans la Bible dernièrement, vous avez été régénérés. Mais par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et cette semence, c'est quoi? C'est la parole vivante de Dieu que nous vous livrons en ce moment. Luc chapitre 8, tu liras simplement les versets 11. On reviendra les versets 11. Alléluia. C'est pour cela, pour notre foi, Dieu nous avait pris, comme on dit, de chaque espèce, chaque saison, chaque semence, chaque nature. Il y a des semences pour que ça produise vite. Il faut les sécher. Alléluia. Amen. Il faut les sécher. Je parle à quelqu'un dans cette église. Comprenez-le aujourd'hui. Tu n'es qu'une semence. Lorsque tu vois une sécheresse autour de toi, parce que tu es en train de répondre aux exigences de votre nature. Une semence pour que ça produise. Il faut que vous puissiez les sécher. Lorsque tu es en train d'être séché, comprenez simplement que c'est pour donner une nouvelle vie. Une semence ne mourra jamais. Et la Bible parle ici. On va les sécher. Lorsqu'on les sèche, c'est pour que tu parviennes à produire.
d'autres sémences. Alléluia. Amen. Et tu peux encore lire maintenant le passage. 8, 11. Voici ce que signifie cette parabole. Parce que la manière dont j'enseigne, des fois ça trouble. Nous sommes en train de parler d'assujettir la terre. Et cette terre que nous devons assujettir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va clamer pour la gloire de Dieu. Lorsque nous parlons d'assujettir, ça veut dire que nous devons rendre cette terre indévoile. Et rendre la terre nous devons savoir que non, nous-mêmes nous sommes une sémence. Et que la sémence porte de la sémence. Et une seule graine d'arachide peut produire plusieurs sémences d'arachide. Selon les trois qui m'écoutent ici, tu es une sémence et tu dois produire d'autres sémences. Pour que tu produises des sémences, tu dois te semer. Lorsque tu te sèmes, tu disparais. Tu sais apparaître là. C'est ainsi que la Bible dit. Vous êtes le seul de cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible ajoute en disant que nous, nous sommes la lumière de ce monde. Alléluia. Amen. Tu veux dire que si tu es aux amis, tant que tu n'as pas encore assisté, tu n'es pas encore une lampe. Tu n'es pas encore une lampe. Et tu dois avoir une colère sainte quand tu as pensé. Pour que tu comprennes que tu dois assujettir. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Et tu peux lire maintenant le passage. Voici ce que signifie cette parabole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je parle ici, je suis en train de s'aimer dans vous. Et vous qui recevez cette parole, vous devez produire les fruits de cette semence. Et vous devez produire les fruits. C'est pour cela la foi. C'est mesuré par les fruits. On dit les fruits de la foi. On peut prendre autre chose. Mais vous devez mesurer la foi par les fruits. Et Jésus disait à ses apôtres, si quelqu'un parmi vous, avait une foi comme une graine. Qui est juste une sémence dans la Bible parle. C'est-à-dire que c'est celui-là. C'est incapable de déplacer même le montant. Tu peux donc comprendre aujourd'hui. Tu es une sémence. Parce que chaque sémence a sa nature, a sa saison, a ses espèces. C'est ce qui te comparer des autres. Et ce qui compte, ça ne sembler la tête. Pourquoi ça marche? Ça ne te concerne pas. Ah, ouais, mais t'as lieu de tika. Seigneur, pourquoi mes ennemis progressent? Ça ne te concerne pas. Ah, mais t'as lieu de. Seigneur, moi je sais faire. Moi je suis avec toi. Pourquoi ça s'est compliqué autour de moi? Ça ne te concerne pas. Il y a des sémences qu'il faut sécher. Il y a des sémences qui n'ont pas besoin d'être séchées. Il y a des sémences qui ont besoin d'être chauffées. Je vous ai parlé des lits pour que ça produise vite. Il faut prendre les sémences. Il faut les bouillir dans l'eau à 100 degrés Celsius. Après vous les sortez, vous les placez. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que dans peu de temps, ça produit. Alors c'est comme des gens ici. Peut-être que tu vois que ça ne va pas là. Le Seigneur t'a mis juste dans une bouillarde. Et vois qu'il y a l'ébullition dans ta vie. Comme qu'il n'y aura pas d'ébullition, tu ne produiras pas de sémences. Si pour cela, c'est ça votre régime. Il y a des sémences qu'il faut brûler. Tant que vous ne l'avez pas brûlé, ça ne tient pas. C'est quand ça va permettre Seigneur, ça ne va pas dans ma vie. Laissez que cela soit fait. C'est Dieu qui a permis. Rien ne peut se faire dans ta vie. Si Dieu n'a pas permis, Dieu ne permettra pas que tu sois remis jusqu'à néant. C'est un cycle de la
Les gens là qui accompagnent la mort. Oh Seigneur, ça ne marche pas. Et toi, c'est matin. Jésus qui s'émance. J'ordonne qu'il fasse pour ce qu'il veut. Parce que la dans mon parcours, je passe des temps difficiles. Je vis des tourments de gauche à droite. Mais je comprends ce matin. Jésus qui s'émance. Prenez-moi comme vous voulez. Faites-moi tout ce que vous voulez. Jetez-moi partout où vous voulez. Mais c'est vrai qu'un jour, je dis qu'un jour, je vais pourrir. Quand je vais pourrir, dans moi, il sortirait. Il s'est sémence. Il s'est sémence. Lorsqu'il va apparaître, ce sont des géants arbres que vous ne pourrez jamais battre. Ce sont des géants arbres que vous ne pourrez jamais battre. Je dis ici, dans la vie, moi, tout traitement. Mais nous qu'on inflige à une semence. On va dire qu'on va à sa faveur. Mais on va pour la bonne à va à sa faveur. Mais on va pour la bonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on te brille, ce qui va tout dire, c'est pas un problème. On te détache de là du fruit. C'est pas un problème. Parce qu'il y a des semences ici. On a sorti des fruits. Lorsque vous me sortez des fruits, vous me chassez en famille. Vous me chassez dans votre travail. Et je ne suis qu'une semence. Faites-moi tout ce que vous voulez. Ce qui est essentiel, c'est là où vous jeterez. C'est là où je sortirai. Et quand je vais sortir, vous ne pourrez jamais me battre. Et si vous me battez, je ferai tomber beaucoup de fruits. Ces fruits seront d'autres semences qui vous embêteraient toute votre vie. Et les semences me disent encore amen. Dieu a tant aimé cette terre. Il a pris son propre fils. Il lui a semé. Afin que ce fils-là produise plusieurs fruits. Lorsqu'il a rendu l'âme, il dit la Bible. Quand à la résurrection, Jésus poussa un grand cri fort. Yes, et il ne parle que plusieurs corps de saints ressuscitèrent. Alléluia. Amen. Ça veut dire, c'est lui qui assis sur la terre. C'est une semence. Or, une semence, c'est un cycle. Une semence, c'est une continuité. Parce que nous parlons de cycle. Nous parlons de la rotation. Là où il y a la rotation, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de résistance. Tout celui qui s'occupe de ta situation, tout celui qui se lève pour empêcher ton avancement, je te dis aujourd'hui, il n'est qu'à ton service. Dieu lui a mis à ton service. Moi je suis une semence. Faites de moi tout ce que vous voulez. Sache qu'après moi, il y a plusieurs semences qui vont sortir. Quand il y aura encore plusieurs semences, je survivrai et j'existerai. Si j'existais la terre, il y a beaucoup de semences. Mettez ces semences par terre. N'hésitez pas. Je vous ai parlé. Tout ce que vous voyez ici, c'est la terre qui a produit. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Tout ce que nous voyons, c'est la terre qui a produit. Et pourquoi nous devons marcher sur cette terre? Ça veut dire, tout ce que mes yeux voient, j'en suis propriétaire. Si tu comprends comme moi, je comprends aujourd'hui. Tu as ta manière de dire aussi amen. Ça veut dire que tout ce que moi je vois de mes propres yeux, j'en suis propriétaire. Ce n'est pas pour rien que tu as pris tout ce que nous nous trouvons précieux. Il en a placé dans les sous-sols. Ça veut dire que chaque jour nous marchons sur ça. Tel que vous êtes là, vous vendez l'imbongo, vous vendez l'imisolo, vous vendez l'or, vous vendez les diamants, vous vendez l'étain, vous vendez l'ignoceuse en matalo. Banalelo et tout ça bino na kombo na Yesu. Le lobby que banalelo et tout ça na kombo na Yesu. Bali man.
année. Ah, si je tue, faire plaisir à Dieu. Je veux que dans tes notes que tu écrives comme ça. Ah, si je tue signifie faire plaisir à Dieu. Il dit, je désire à ce que vous prospérez à tous égards. Ça veut dire que Dieu veut que nous puissions continuer à dominer. Dieu veut que nous puissions être au devant. Dieu veut nous puissions continuer à dominer. Et non derrière la tête. Ah, si je tue, ce que vous prospérez à tous égards. Ça veut dire que Dieu veut que nous puissions continuer à dominer. C'est répondre à l'exigence de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, en premier lieu, c'est de dominer. Sinon, il allait commencer par donner des lois. Il allait commencer par donner des lois avant de nous bénir. Il nous a bénis. Et ensuite, il met des lois. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu comprends, si tu comprends, tu vas porter des semences. Tu dois prendre semaine pour Dieu. C'est une nouvelle façon de se jeter la terre. Terminons par ce passage. Nous avons construit ça en état de Psaume 126. Psaume 126. Psaume 126. Psaume 126. Verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Alléluia. Amen. Psaume 126. Nous avons gardé Psaume 126. Verset 5. Mais pour aller à 5 à 6. Et non à 6. Psaume 126, du 5e au 6e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Alléluia. Amen. Ceux qui sèment avec larmes. Tu sèmes. Tu pleures. Tu sèmes. Pendant que ça ne va pas dans ta vie. Tu sèmes. Alors que le monde se moque de toi. Tu sèmes. Alors que tu es conscient que ça ne va pas. Tu sèmes. Pendant que tu en manques. Tu sèmes. Au moment où tu deviens ridicule. Tu sèmes. Au moment où tout le monde se lève contre toi. Tu sais, au moment où on ne croit plus en toi, que les semences m'écoutent ce matin. Tu sais, alors que ton cœur pleure, tu sais, que tu ne sais pas où tu es encore. Tu sais, afin que tes espoirs, tu sèmes pendant que ça ne va pas dans ton mariage. Tu sèmes pendant que ça ne va pas dans ta santé. Tu sèmes pendant que dans ton église ça ne marche pas. Dans ton ministère ça ne marche pas. Tu pleures. Mais tu sèmes. Pendant que les gens ne voient pas ta vie. Tu sèmes. Tu dis la Bible. Moissonneront avec chant d'allégresse. Ils moissonneront avec chant d'allégresse. Lorsqu'on parle de chant d'allégresse, ce sont des cantiques de joie. Ce sont des acclamations qui nous poussent. Ce sont des honneurs qui t'attendent. Tu peux semer le pain ici. Le Dieu est dans le ciel. La Bible dit, c'est Dieu qui donne de la semence au semeur. Lorsque vous vous sèmez avec des larmes aux yeux, retenez-le aujourd'hui. Et ce que vous allez récolter avec les chants d'allégresse. Lorsqu'on parle des chants d'allégresse, il y a du succès, il y a de la domination, il y a de l'honneur, il y a de la gloire qui doivent t'accompagner. Ça veut dire, si je comprends bien ce passage, quand tu sèmes, tu sèmes pendant que ça ne va pas. Attends, je sais pas. Ce que toi tu l'as récolté. Oh, c'est plus que ce que toi tu sèmes. Tu peux venir donner ton offrande ici. Mais ce que l'offrande peut porter dans ta foi. C'est peut-être un poste qui ne terminera jamais. Ça peut être une responsabilité politique importante. Que tu peux avoir dans ta vie. Parce que ce que nous sommes, si c'est fait, on est toujours plus que. Une seule guerre d'arraché reproduire des milliers de tonnes. Si tu es prêt, dis-moi par amen.
Les La Bible dit que si tu sais, avec des larmes aux yeux, ça veut dire dans ta vie, les gens que vous voyez qui ont réussi, qui ont passé jusqu'à la terre, ils ont appris à risquer quelque part. Il faut que ton offrande soit un risque dans ta vie. Tu dois donner à Dieu ce qui peut te faire risquer. C'est ça que j'adore. C'est tout ce que j'ai. Je le sais. Avec des larmes. Je ne sais pas si j'adorerai encore. Je ne sais pas si ça va venir encore. Mais la Bible, une vérité contestable. Il est Dieu. Il ne s'est jamais contredit. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Mais je sais que il est mon rédempteur. Il est vivant. Il est le dernier. Lorsqu'on parle du dernier, oui, que j'ai donné tout ce que j'ai. Je n'ai plus rien à moi. Et maintenant là, lui va se lever. Qui se lève aussi dans ta vie. Dieu se lève aussi dans ta vie. Qui se lève aussi dans ta vie. Écoute ce que dit la Bible. Tu peux continuer la Bible. C'est lui qui marche en plairant. Quand il porte la sémence, alléluia. Amen. C'est lui qui marche. Où est-ce qu'il en plaira. La colère. Quand il porte. La table de la sémence. Vous allez voilà. Je parle à une sémence. La somme la bonne à mon nom. Qui a trop bien passé une très mauvaise semaine. Oui, elle est qui pose au moment à paix. Qui a très mal commencé le mois. Avant qu'il s'assure au matin. Qui plaire. Qui fait une autre équipe avec des larmes. Avec un souci. Qui tourne pendant longtemps dans ta vie. Fais des sortes de cœur. Tu comprends de quoi je parle. Et toi, tu dis une sémence. Vous allez bon. Alléluia. Amen. Tu dis une sémence. Vous allez bon. Et quand tu marches, dans temps, tu as des sémences avec toi. Vous avez bon le monde. Tu as des promesses de Dieu. Vous allez dans ma bouche. Tu as des promesses que tu as. Dans la cause, tu marches avec ça. Vous êtes là. Mais dis que même si tu marches, en temps, vous êtes là. En plairant. La colère. Que dit la Bible. Celui-là revient avec allégresse. Il fait quoi? Il revient avec allégresse. Il revient. Avec allégresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y revient. Avec allégresse. Ça veut dire que cette terre. Quand tu sais. Tu ne joueras jamais. Amen. Et je prie pour toi. Pour que Dieu traite ce matin. Que tu sois une sémence. Qui produit plusieurs sémences. Afin que tu puisses assiéger cette terre. Lorsqu'on t'a fait baptisé. Tu n'étais qu'une espèce de sémence. On a placé dans l'eau. Les maïs. Les riz. Pour les produire vite. En quantité industrielle. Il faut les laisser germer dans l'eau. Jusqu'à ce que ça va produire des racines. Quand on t'avait plongé dans l'eau, c'était pour que tu produises des racines. Comme tu es là, tu as des racines. Et lorsqu'on t'a pris, on te met sur cette terre, c'est pour la faire féconder. C'est pour assiéger cette terre. Tes racines vont dans les sous-sols de ta tête, vont au-dessus. Tes pensées vont l'éternel. Tes pieds se promènent avec les sémences dans la Bible de l'éternel. Quand tu es sur cette terre, et que tu sais que on t'a fait baptiser, lorsqu'on baptise, la Bible parle que vous avez été régénéré. Par une sémence incorruptible. Ça veut dire, quand on t'avait noyé dans l'eau, j'étais sorti une sémence qui ne mourra jamais sans assujettir cette terre, qui ne partira jamais sans laisser d'autres sémences. Je veux qu'autour de toi, qu'il y ait plusieurs sémences. Autour de toi, qu'il y ait plusieurs sémences. Lorsque cette graine sort, les racines vont dans les sous-sols. Alléluia. Amen. Ça veut dire, s'il plaît,
je reçois. Si ne pleut pas, la paix dans le sous-sol, il y a l'eau, il y a la sève qui sort, les racines touchent à ses mains sur pourquoi. Et lorsque j'en reçois et que la pluie tombe encore, si la pluie ne tombe pas, la rosée viendra. Lorsque la rosée viendra, le monde ne veut pas, je vais produire. Que les gens ne veulent pas, soyez faits comme au nom de Jésus. Je vais avancer dans le nom de Jésus. Si tu comprends que tu es une sémence, retenez-le aujourd'hui. Tant que tu es une sémence, cette terre te restera toujours et devant. Cette terre aura des comptes à rendre à toi. Ce n'est pas par hasard. Et la Bible dit, je demanderai les comptes des sangs de mon peuple à la terre et à la mer. Pourquoi? Parce que la terre nous doit. La mer aussi nous doit. Parce que dans le sous-sol, sous la mer, il y a la terre. Et cette terre-là nous doit. C'est pour cette raison tu as dit dominer sur le poisson de la mer. Ça veut dire que même le poisson qui se met sur la mer, il nous soit notre redevance. Il nous doit. Je me rappelle, le papa Isaac, venez s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Venez, papa Isaac, on chantait. C'était quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Le fait que le musicien ne soit trop disponible, c'était des erreurs, soyez mal préparé. Ça me dit quelque chose par rapport à ce que nous sommes en train de faire ici. La Bible dit, la terre sera aussi jugée. C'est-à-dire que Dieu de manière à les comptes à la terre. Alléluia. Alléluia. On disait ceci, je me rappelle. Thank you.
Alléluia. Amen. Ça veut dire. Béni pour le bas. Si tu es dans la Bible. Tu es dit. Tu dis. Ça passe le bas. Je démanerai la terre. Les comptes des sangs. Mais le mon peuple qui l'a affamé. Alléluia. Amen. Ça veut dire. Si quelque chose de toi. Ce qui est énorme là, a été détenu. Illégalement. Ils sont allés enterrer ça quelque part. Si ça ne sort pas, la terre sera condamnée à cause de toi. C'est alors qu'aujourd'hui, tout ce que vous serez sur cette terre, doit vous apporter. Doit produire des fruits, doit produire des semences. Et vous devez les consommer pour la gloire de Dieu. Cette terre. Mais depuis que tu es né, les gestes que tu fais à Dieu, constituent des semences incorruptibles. Aujourd'hui, tu n'en as pas eu. Sache que ce n'est qu'une saison. Lorsque la saison viendra, ça va produire. Si tu es orange, pendant la saison de pluie, ne te plains pas. Alléluia. Amen. Attends la saison sèche. Tu sortiras toujours. Lorsque tu vas sortir, rien ne peut t'empêcher. C'est bizarre. Quand toi tu sors, certains fruits vont disparaître. Les mangues vont fuir. Certains fruits vont partir. Toi tu vas apparaître. Il y a des postes qui vous reviennent. Tant que la saison n'est pas encore arrivée, ne précipitez pas. Laissez les oranges jouer les rois. Parce que vous êtes une semence. Lorsque tu vis maïs, pendant la saison sèche, ne te plains pas. Restez tranquille. Laissez les oranges sortir. C'est le temps des oranges. Lorsque la saison de pluie viendra, non parce que je suis arachide, parce que je suis maïs, même si on ne s'occupe pas de moi, la pluie va s'occuper de moi. Et je parle aux champs qui croyaient qu'ils seront soutenus des autres. Ils se sont sentis que mon s'occupe plus d'eux. Aujourd'hui, je t'ai dit que bien. Les pierres ont des racines. Les saratines tirent une semence. C'est la parole que tu entends chaque jour. Parce que tu es en train de sortir. Lorsque la pluie tombera, ça tombera sur toi. Si Dieu va bénir les gens pour des mois ici, toi, tu es parmi les gens que Dieu va bénir. Si le temps. Tu vas rencontrer les œuvres de l'Éternel. Pendant ce mois de juin, je dis bien que c'est toi. Tu ne flattes pas. Dieu m'a convaincu de dire que c'est toi qui l'a sélectionné. Quand je dis c'est toi, tu sens une amen qui sort du profond de toi. Tu sens une affirmation dans ton esprit. Tu sens quelque chose qui dit de pousser les cris parce que c'est toi. Je dis bien que c'est moi et c'est toi. Je dis bien que c'est moi et c'est toi. Donc, Arthur, les gens ont acheté des voitures. Ne panique pas. Je dis ne panique pas. Ce sont que des avocats. Les tours de mangue arrivent aussi. C'est dans ton quartier. Des copines se sont mariées. Ne t'inquiète pas. Ce sont que des oranges. Les mandarines ont leur jour. Les safou ont leur jour. Je te dis que vous avez votre jour. Parce que dans l'année, toutes les saisons trouvent place. Toi aussi. Ta saison à sa place. Ta saison à son choix. Ta promesse. La légende de son accomplissement. Aujourd'hui, Père, j'ai compris. Je me suis dit une semence. Même si ça tourmente en moi, je retiens cette chose. Je me suis dit une semence. Partout où on me jette, c'est toujours à ma faveur. Si c'est dans une poubelle, ça n'est pas un problème. Lorsqu'on me brille, mes feuilles vont produire des fruits. Et même si les gens n'y passent pas, la rosée viendra m'arroser. Je sortirai. Quand je vais sortir, je serai une plante géante. Et personne ne pourra me couper. Et quand je serai une plante, je produirai des fruits. Mes ennemis
tu dois chercher mes fruits. Mes ennemis, lorsqu'il fera très chaud, ils verront se cacher sous mon ombrage. Si je comprends aujourd'hui, je ne reculerai jamais. Tu conçois des projets très importants. Que tu comprennes aujourd'hui. Tu détermines les semences. Si tu ne produis pas aujourd'hui, tu dois produire demain. Si hier tu n'avais pas produit, ce n'est pas un problème. Ce n'était pas ta saison. Il y a une saison pour toi. Je dis, il y a une saison pour toi. Tu es un voisin, il y a une saison pour toi. Tu es comme ça, il y a une saison pour toi. Et nous sommes tant que nous sommes salés. Et nous sommes tant que nous sommes salés. Soyez l'homme. Amen.